Bonjour tout le monde. Excusez-moi du retard, mais suite à des soucis techniques et ma connexion Internet, j'ai énormément de retard. Excusez-moi, on va démarrer plus tôt que prévu. On devait démarrer à 7h30. Malheureusement, j'ai rencontré des gros problèmes techniques. Encore maintenant d'ailleurs, c'est pas réglé. Donc le live, je sens qu'il va être compliqué. Pourtant, il était très intéressant. Ouais, 32, voilà, il y a du monde qui arrive. Voilà. Ah ouais, c'est compliqué. En plus, j'ai une connexion. J'ai tout coupé chez moi parce que j'ai une connexion dramatique. Et c'est pas top. Voilà, donc on va attendre un peu que tout le monde se connecte. Voilà. Coucou, salut, salut Patrick, salut, salut tout le monde. Alors, des gros soucis avec mon espace avec Internet, voilà, tout simplement, pour pas changer. Et j'ai voulu faire une connexion partage comme je fais actuellement. Et mon téléphone, rideau, mon téléphone, oui, mon téléphone se met en rideau. Donc, que du plaisir. Voilà, donc on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui se connecte. Bonsoir tout le monde. Voilà, on est déjà 58, effectivement, 62. On commence à avoir du monde. Donc, je tenais encore à m'excuser hein, pour ce retard. Franchement, je suis navré, mais voilà, c'est les soucis du direct. Hein. Voilà, on va attendre 67, c'est pas mal, ça commence à être intéressant. Je profite pour dire un petit bonjour à tout le monde. Salut Prince. Voilà, bonjour Titi, salut Soto. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ah, Jean-Michel, ça me fait plaisir. Donc, je répète, j'ai eu un gros souci avec mon internet et un double souci car j'ai ma box qui a planté et pour pas pour en plus j'ai mon téléphone qui a planté, c'est-à-dire que plus moyen d'être en connexion partage avec mon téléphone, la totale. En plus on a essayé de modifier je parle un peu plus fort parce que je crois que le son ça doit pas être terrible. En plus on a essayé de modifier des paramètres et franchement c'était pas top, voilà. Donc je pense que le live va être très compliqué ce soir. Bon, bonjour, bonjour les cousines, bonjour Isabelle, bonjour Véro. Voilà, 91, on va bientôt pouvoir commencer. Salut Bertrand, effectivement, ce soir on est du monde. Donc on va commencer. Alors on a dû un peu modifier. Voilà, on va attendre qu'on arrive. On est déjà 91 personnes. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, effectivement. Donc, on a un programme un peu différent de ce qui était prévu. C'est bon. Non, Guillaume, ça n'a pas fonctionné. Je suis revenu. Alors, Guillaume, c'est un membre qui me donne des sacrés coups de main et j'ai un souci avec mon téléphone et mon téléphone a planté. J'ai dû redémarrer. Bon, c'était une horreur. Ma box a planté, donc c'est pour ça que c'est une catastrophe. Donc, par contre, Guillaume, merci pour ton aide et on reverra la chose tranquillement, t'es trop posé, un peu plus tard. Voilà. Donc, je suis revenu à l'ancienne version. Je ne sais pas si on m'entend bien. Est-ce qu'on peut me dire papa est célèbre? Réponse à Morgane. Oui, papa est célèbre. Donc, alors déjà, je voulais vous remercier parce que le dernier live qui a été passé, il a été vu quand même, si je ne me trompe pas, après de 9, 8 000 vues. Donc c'est quand même super sympa. Ça, c'est vraiment génial. Et ça prouve que ben, ce que je fais, ça sert à quelque chose. Et que vous êtes content de ben, un peu de ce qui se passe sur le groupe. Malgré ce qui se passe actuellement. Alors, avant que je commence le live, je voudrais donc revenir sur le programme. On a ce mois-ci donc reculé au mois prochain le dossier sur les GPL, car vous le saviez, car je l'avais marqué sur le groupe. On a notre ami Jean-Michel Semoulin, notre ami belge, qui était bien malade, bien souffrant.
et il était cloué au lit depuis quelques jours. Donc Jean-Michel est ressorti de la tête du lit aujourd'hui, je crois, mais c'est encore très compliqué pour lui. Donc je lui ai demandé de rester au lit, de surtout bien prendre soin de lui, car c'est quelqu'un de très précieux pour le groupe, très précieux pour nous aussi, car c'est quelqu'un qui est formidable. Lui et sa dame, c'est vraiment des gens formidables. Alors je leur ai dit surtout, préserve-toi, protège-toi, et qu'on puisse retrouver notre Jean-Michel qu'on avait avant, qui est aussi compétent et très très intéressant dans tous les domaines. Voilà, ça c'est une chose que je voulais passer. Donc le programme sera un petit peu différent, je vais en parler un peu. Mais d'abord, on va parler peut-être des choses qui sont moins sympas, et c'est pour ça que je vais demander votre attention. Je vais demander votre attention suite à un poste de Sonia, mon adjointe. D'ailleurs, il faut savoir aussi, au niveau du groupe, pour faciliter pas mal de choses, on a revu complètement, c'est-à-dire j'ai revu avec Sonia, et en fait maintenant, on n'a plus des modérateurs et deux administrateurs, on a cinq administrateurs. Ça va simplifier beaucoup de choses au niveau du groupe et ça permettra justement à mes adjoints de pouvoir aller regarder sur les postes beaucoup plus en détail, car avant, malheureusement, il y avait certaines portes qui étaient fermées. Donc comme ça, tout le monde est à la même égalité et on pourra avancer dans le travail et être beaucoup plus précieux et beaucoup plus réactif dans ce qu'on recherche. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Le second point, vous avez dû le lire suite à un poste de Sonia, mon adjointe, qui est administratrice de groupe aussi, bien entendu. Il y a plusieurs personnes qui sont venues se plaindre et je trouve ça un peu, voilà. Je reviens un peu. Je trouve ça un peu dommage car effectivement, une mauvaise ambiance depuis un certain temps règne dans le groupe. Voilà. Alors, je sais que cette mauvaise ambiance est générale dans tous les groupes Facebook. Alors, est-ce que c'est dû au confinement? Est-ce que c'est dû à ce qui se passe en ce moment à l'extérieur? C'est possible. Même nous, effectivement, on peut être aussi. Mais s'il vous plaît, on vous demande gentiment. Vous savez, on est tous des bénévoles. On fait vraiment des efforts. Et donc, c'est un petit peu dommage que certains membres qui viennent d'arriver décident de partir de suite parce qu'ils ont été victimes de moqueries, de sarcasmes. Donc, nous sommes obligés de ménager la susceptibilité de beaucoup de personnes. Et donc, on doit faire des tris assez stricts. Donc, on l'a déjà dit, on veut bien être tolérant sur certaines choses, mais il y a d'autres choses, franchement, ce n'est pas vraiment correct. On est obligé d'épier chaque poste. Donc, chaque poste, on est obligé maintenant de vérifier les commentaires. Alors, pour information, tout à l'heure, on vous donnera une idée et vous verrez qu'on a beaucoup de travail. Plutôt de nous quitter brièvement, ce qu'on vous demande, c'est justement de nous aider. Nommez-nous lorsque vous trouvez, vous remarquez de l'incivilité de vos collègues. Et ça, ce n'est pas pour le but de dire oui, lui, lui, non. C'est seulement pour la bonne marche du groupe. Ça, c'est très important. Il n'est pas acceptable que des personnes reçoivent des commentaires parce qu'ils ont posé une question qui vous paraît très simple. Mais n'oubliez pas qu'un beau jour, vous allez commencer aussi. Je vous rappelle que c'est le camping-car pour les nuls, ce n'est pas le camping-car pour les experts. D'accord? Donc, je vous demande de votre aide, tout simplement, pour nous communiquer lorsque vous voyez des personnes qui sont désagréables et qui vous montrent des postes. Vous me nommez, moi ou mes adjoints administrateurs du groupe, et je vous garantis qu'on fera le ménage. Si eux ne veulent pas se calmer, nous, je vous promets, on vous les calmera. Mais par contre, ne faites pas d'initiative personnelle. C'est-à-dire, allez pas les insulter ou leur dire n'importe quoi, ça ne va pas arranger le schmilblick. Et au contraire, ça va donner que de la au niveau du groupe. Alors, je vous rappelle qu'on est des personnes passionnées, tous, hein, aussi bien de groupe que beaucoup, mes adjoints. Et on s'investit énormément dans le groupe, on passe des heures et des heures dans le groupe. Hein, je ne vais pas les nommer, mais que ce soit soit Sonia, Serge et Jean-Michel, on fait quand même énormément d'heures sur le groupe pour que le groupe il soit sympa et qu'on puisse répondre à vos questions. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, s'il vous plaît, luttons ensemble pour ces personnes désagréables et qui mettent vraiment un mauvais climat
dans ce groupe. Et franchement, c'est vraiment pas sympa. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas cool de venir justement amener cette ambiance. Voilà. Je vous rappelle quand même, on est 23 000 aujourd'hui dans le groupe, on est 23 000 membres, c'est quand même important. Donc c'est pour ça que de plus en plus, on aura malheureusement des problèmes qu'on va rencontrer comme ça. Donc nous, on n'est pas là pour la chasse au nombre, on est là pour aider les gens et au contraire de les encadrer dans le mieux possible. Et pour vous donner une information, donc au niveau des publications, hein, c'est quand même assez important. On a, si je ne me trompe pas, voilà, on a 2 200 publications tous les 25 jours. On a 52 000 commentaires, soit plus de 2 000 commentaires par jour, à suite à ces publications. Et on a 116 000 réactions. C'est pour vous dire que, franchement, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, c'est pour ça que on vous demande toute votre vigilance et votre attention pour ça. Je vous rappelle aussi que nous avons créé, pour se reconnaître, c'est pas grand-chose, mais on a créé des logos. Donc ces logos, là je vous donne un exemple de logo, d'ailleurs que je salue, c'est un ami à nous qui est sur Nice, et donc vous pouvez voir les Niçois. Et donc si les personnes voudraient éventuellement des logos, alors que ce soit des logos, là, c'est un logo nominatif, hein, où on peut très bien l'avoir seul. Pour les personnes qui sont intéressées par ce logo, je vous demanderai de me contacter, tout simplement, de me contacter en MP. Voilà, donc ça, c'est le genre de logo tout simple. Il y a des gens qui veulent, ils préfèrent le logo simple plutôt du logo, comment appeler ça, arrangé. Voilà. Donc, on va commencer donc le live. Alors, j'ai des petits soucis, bien sûr, ça me résonnait. Oui, je vous donne quelques informations parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas que du jour au lendemain, leur poste est supprimé. Leur poste, leurs commentaires sont supprimés. Alors, c'est tout à fait normal. On vous explique pourquoi. Parce que si vous avez répondu à un commentaire, par exemple, à une personne qui a été désagréable dans le groupe, ou n'importe quoi, et donc ça va être un sous-commentaire. Nous, arrive au moment où on va être appelé, on va bien sûr supprimer ce commentaire qui est désobligeant, et bien entendu, tout ce qui va se trouver en dessous à votre réponse sera supprimé. Donc ça, c'était important qu'on vous passe le message pour que vous compreniez bien la finalité et comment on fonctionne. Voilà, ça, c'est important. On a aussi sur le groupe, lorsque vous avez des gens qui viennent sur le groupe, ben, ils cherchent des réponses. Alors, vous pouvez les trouver tout simplement. On a des loupes. Comme vous pouvez voir, on a des loupes. On a deux systèmes. Suivant si vous avez un téléphone Android ou si vous avez un PC, vous avez en haut sur le téléphone, vous avez tout simplement, je ne vais pas montrer bien parce qu'il ne marche plus, vous avez en haut la petite loupe. Et de l'autre côté, vous avez une loupe aussi qui vous permet justement de pouvoir avoir des informations. Donc, vous cliquez dessus, vous mettez par exemple le sujet qui vous intéresse, et en fait, tout simplement, ben, vous allez vous retrouver donc à trouver des dossiers qui ont sûrement parlé de votre souci. Ça évite éventuellement, et vous, ça vous fait gagner du temps. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est loupé exact. Aussi, il faut savoir que on a créé aussi on cherche des solutions pour que le groupe soit encore plus sympathique. Et dernièrement, notre dernier venu, Serge Mazet, nous a proposé suggéré de mettre en place des rubriques de publication populaire. Alors c'est pareil, c'est des rubriques qui vous permettent, vous le trouvez soit sur les PC ou sur les téléphones portables ou tablettes, hein, donc vous voyez au niveau des flèches. Et dessus, vous allez pouvoir trouver dessus des rubriques. Alors, ça peut être sur les batteries. On a à peu près actuellement recensé une trentaine de rubriques. Ça vous permet aussi de pouvoir trouver plus facilement des réponses, des fois des questions que vous vous posez. Voilà. Donc, ça, c'est aussi important de le savoir et on puisse avancer. Donc, je vous remercie Serge pour cette avancée et ça nous permet en fait d'avoir plus d'informations présentes.
Alors, bien sûr, vous savez très bien que quand je vous invite, je vous envoie en général ce fichier. N'oubliez pas de visiter les fichiers. Donc, c'est pourquoi? Parce que, comme vous le savez, on a créé de très nombreux fichiers sur le groupe. Voilà, ça, c'est des choses qu'on a créées depuis un certain temps. Bien sûr, ça déraille. Voilà, on a créé donc depuis un certain temps on a créé des fichiers depuis le départ. On a à peu près 120 fichiers et là c'est pareil. Vous allez me dire où ils sont les fichiers. Ben, c'est pareil, hein, ils sont relativement. Vous les trouvez soit sur la gauche ou en haut dans la barre de tâches. Et ça vous permet en fait de savoir tout simplement où se trouvent les fichiers du groupe. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, donc les fichiers, vous les retrouvez soit toujours pareil sur le PC, sur la barre de tâches sur le côté, et lorsque vous avez un téléphone portable, en dessous, tout simplement, de la photo du groupe. Voilà. Donc, dans les nouveaux fichiers qu'on a mis en place, on a mis, qui sont bien sûr à votre disposition, hein, c'est pour ça qu'on les crée d'ailleurs. Voilà. Donc les nouveaux fichiers qu'on a mis en place, c'est par exemple le chauffage par carburant type Webasto. Donc c'est en fait c'est un chauffage qu'on met en place et qui fonctionne avec le gasoil du véhicule. Alors justement tout à l'heure on vous expliquera, on aura quelqu'un en direct qui nous a fait donc le plaisir de se connecter avec nous et elle nous expliquera un peu son expérience en Laponie. C'est quelque chose vraiment de très très sympathique. Voilà. Donc nous avons fait aussi un fichier sur ouais, sur l'extracteur. Donc on a fait un fichier aussi sur tout simplement, vous l'avez entendu parler, sur les SOC 2. Alors le SOC 2, tout simplement, c'est un fichier qui permet en fait tout simplement de d'éviter d'avoir des odeurs désagréables dans les toilettes à l'intérieur de votre camping-car. Donc, il y a une sorte de filtration, il y a une aspiration, il y a une filtration, et bien sûr, ça sort sur l'extérieur. Alors, certains diront, oui, bonjour pour l'extérieur, mais il y a des filtres, donc normalement, on ne doit pas recevoir, on ne doit pas normalement avoir d'odeur par rapport à ça. C'est important. On a aussi, j'ai mis aussi des fichiers sur la liste actuelle des stations de ski en espérant qu'on puisse y aller. On a donc les stations de ski et sur ces stations de ski, donc un certain nombre de stations acceptent les camping-cars, un peu comme les Saisies et un peu comme Valberg et La Plagne et beaucoup d'autres stations. Donc j'ai référencé à peu près tous les départements de France et qui vous redonnent toutes les informations. Donc vous retrouvez toutes ces informations dans les fichiers du groupe, c'est comme des informations très importantes. Et aussi, quand on part justement sur des airs, et pendant longtemps, on se demande, mais combien je vais pouvoir, surtout l'hiver, combien je vais pouvoir tirer d'électricité. Alors, j'avais fait un fichier il n'y a pas longtemps qui avait plu, donc on vous le remet en place. Donc, tout simplement, c'est très simple à faire. Il suffit de calculer, en fait, vous essayez de demander combien il y a d'ampères au niveau de votre borne. Et si par exemple vous avez 10 ampères, ben, vous multipliez par 230 volts et ça vous savez que vous avez 2300 watts. Pareil, si vous avez 4 ampères, ça vous fait 920 watts. Jusque 16 ampères, vous pouvez avoir 3600 watts. Et ça, effectivement, il y a quelques stations qui le proposent. Voilà, donc ça vous donne une idée. Savoir parce que vous allez vous balader avec votre camping-car, vous vous plantez, vous mettez un peu de chauffage, ça claque, et la nuit, ben, vous n'avez plus d'électricité. Alors bien sûr, en général, vous n'avez pas la bonne clé pour réaccéder, et donc vous devez attendre le lendemain pour pouvoir vous rebrancher. Donc lorsque vous allez vous brancher, quand vous allez arriver dans une aire ou sur un camping, vous leur demandez la puissance que vous avez au niveau de l'électricité. Et par rapport à ça, vous allez savoir exactement combien vous allez pouvoir utiliser au niveau du courant. Je pense que c'est important de le savoir. Donc, vous multipliez tout simplement le nombre d'ampères par 230 volts et vous saurez exactement le courant que vous pourrez disposer.
Alors, comme je vous ai dit, donc on avait fait un. Voilà, donc ça, c'est une chose. Au niveau du programme, donc tout à l'heure, on aura un programme sur. Je vous demande de rester sur le road trip. Donc, on a trois familles actuellement, trois familles qui sont, on va dire, en vadrouille. Hein. Une qui est revenue, mais qui va bientôt repartir. Et c'est vrai que actuellement c'est un petit peu compliqué vu la situation. Voilà. Donc on aura Joanie et sa petite famille tout à l'heure qui nous ont fait le plaisir, qui prend le plaisir d'être en live avec moi tout à l'heure. Donc restez parce que vous aurez plein d'informations intéressantes pour les personnes qui rêvent comme moi. Moi personnellement je rêve d'aller en Laponie voir le Père Noël. Alors vous verrez, c'est extraordinaire, mais c'est vrai qu'il y a des précautions à prendre. Et elle nous se fera un plaisir de donner ces informations. En attendant, on va venir sur un dossier que beaucoup en possèdent un dans le camping-car. C'est tout simplement les animaux en camping-car. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est un sujet, bien sûr, tout le monde a son idée là-dessus. Mais je parle surtout pour les nouveaux, hein, les nouveaux camping-caristes. Et alors, quand je dis les animaux, pourquoi les animaux? Parce que effectivement, il n'y a pas que que des chiens. Hein. Il peut y avoir aussi, tout simplement, des perroquets, hein, comme celui de Liliane, qui m'a envoyé ses photos, qui sont très sympathiques d'ailleurs. Vous voyez, donc Liliane part toujours en camping-car, et je vous garantis, elle part en camping-car avec ses perroquets et ses chats. Et pour information, celui qui a le dernier mot, ben, c'est tout simplement, c'est le perroquet. Voilà. Alors, heureusement, ils ont des chats adorables, mais ça n'empêche que c'est génial. Et d'ailleurs, le perroquet que vous voyez sur la gauche, que vous avez vu tout à l'heure, que je vous remontre ici, il est né dans ce camping-car. Alors, pour vous dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et elle ne se sépare jamais. Alors, bien sûr, elle a une cage adaptée. Et le perroquet est souvent dehors. Il fait mieux avec le chat et ça se passe très très bien. Voilà. Donc, on va parler pour les chiens. Donc, avant le départ, que ce soit pour les animaux, pour les chats, pour les chiens, pour les, ben, justement, pour les perroquets, on va préparer déjà la nourriture en conséquence. On va pas partir avec un sac de 25 kilos. Hein, on sait qu'on part pour une semaine. Donc, on va prendre des doses par rapport et on va prendre 2-3 doses supplémentaires pour justement. À être sûr de ne pas être en manque. Donc ça, c'est important. Voilà. On obtient donc, on va prendre donc les croquettes. Hein, je regarde, on va prendre des croquettes, on va prendre toutes ces informations-là pour éviter. Et moi, personnellement, je prends d'autres sources pour mon chien. J'évite de lui donner de l'eau de mon camping-car parce que, bon, j'ai jamais confiance des eaux dans la cuve, même si l'eau, elle est, on dit potable. Je préfère toujours prendre de l'eau, je prends des bouteilles de 5 litres et j'alimente mes animaux, ma chienne entre autres, parce que moi je me promène avec ma chienne, je m'alimente avec ça, voilà, tout simplement. Donc ça c'est important. Après, il est important que les chiens ont leur repère, hein, les animaux, il est important que les animaux aient leur repère. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va tout simplement leur aménager un petit coin à eux. Donc ça peut être effectivement donc une petite niche. Où on va lui mettre sa petite serviette favori. On va l'habituer. Donc, l'idéal, c'est d'habituer un peu à la maison avant. Comme ça, lorsqu'il va rentrer dans le camping-car, ben, il aura déjà un peu son environnement. Il ne sera pas complètement perdu. Il est important que votre animal ait un point de référence avec vous. Hein, ça, c'est quelque chose de primordial. Il faut savoir aussi que lorsque vous partez, ce qui est impératif d'avoir avec vous, c'est le carnet de vaccination. Voilà, les carnets de vaccination, c'est quelque chose. Et pour ceux qui partent à l'étranger, le passeport pour animal. Ça, c'est important de l'avoir avec vous. Et pour cela, ben voilà quoi. Donc, fournissez-vous. Et d'ailleurs, si vous allez dans les campings ou dans les pays à l'étranger, il faut à tout prix que vous ayez votre carnet de vaccination à jour. Et aussi que votre chien soit pucé. Même en France, c'est préférable. Aussi, après, je conseille de mettre un collier et tout simplement ce collier y mettre votre numéro de téléphone car malheureusement votre animal de compagnie peut être fougueur. Alors, c'est sûr que si c'est un perroquet, c'est plus embêtant pour les récupérer, mais si c'est un chat ou un chien et que vous avez un voisin qui récupère le chien, plutôt qu'il l'emmène au vétérinaire ou ailleurs, avec le numéro de téléphone, on pourra très vite vous contacter.
Donc moi je conseille personnellement de mettre tout simplement le numéro de téléphone sur le collier du chien. Je conseille aussi c'est de prendre des jouets. Le chien il a besoin de reprendre, avoir des repères et l'important que ce chien ait des jouets avec lui. Aussi prenez une sangle parce que lorsque vous allez sortir le chien, il est important que le chien puisse avoir une longe, moi je dis 3-4 mètres. Hein, c'est important que le chien puisse sentir un peu, sortir et faire un périmètre autour du camping-car. Alors, s'il n'est pas fougueur comme la mienne, il n'y a pas de danger, bien sûr, les patacher. Mais par contre, si vous savez que votre chien est un petit peu fougueur, faites attention, ou le chat éventuellement, hein, les gens qui viennent avec leur chat, soyez prudents avec ça. Pour le transport des chiens ou des animaux, donc, c'est assez pareil. Il faut savoir que, il y a plusieurs solutions. Donc, il y a des gens qui aménagent dans la soute un panier, tout très, très confortable, pour éviter que le chien, alors surtout en général c'est les gros chiens, pour éviter qu'ils se baladent dans le camping-car, parce qu'il faut savoir que les animaux c'est comme nous. Hein. Alors aujourd'hui les chiens n'ont pas d'obligation d'avoir de ceinture de sécurité, mais vous savez qu'un gros freinage, la bête elle va venir s'éclater par le devant et votre chien vous allez pouvoir l'emmener au vétérinaire. Bon, c'est pas le but du week-end. Hein, comme on dit, si nous on met la ceinture, je pense qu'on peut aussi faire mettre la ceinture tout simplement au chien. Alors vous allez me dire, des ceintures, ça peut exister. Oui, tout à fait. Hein, on met des petites ceintures, ça vaut pas très cher, ça vaut 5 euros. Et vous l'attachez à la ceinture de sécurité à l'arrière. Donc vous mettez une couverture sur le tapis à l'arrière et vous mettez cette petite laisse avec cette ceinture de sécurité et qui permet à votre chien de ne pas se promener partout. Et en cas d'accident, en fait, de rester avec son harnais en place et pas jouer des projectiles. Ça, c'est important. Alors, vous avez aussi ce système-là qui est pas mal. Donc, c'est le système avec des paniers, toujours pareil, avec la ceinture de sécurité. Hein, mais c'est toujours pareil, c'est des choses qu'il faut adapter et qu'il faut habituer vos animaux à la maison. Vous les laissez 5 minutes, 10 minutes, pour pas que du jour au lendemain, ça devienne une punition lorsque vous avez ce panier sur vous. Voilà, ça c'est quand même très important. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, là vous voyez un petit pépère, ben voilà, vous y mettez une couverture, hein, donc là on est en arrêt, hein, bien sûr, on n'est pas en balade, on est en arrêt et on va justement le mettre confortable et éviter aussi d'abîmer les tapis ou tout simplement les coussins qui se trouvent en dessous, surtout si vous avez du cuir. Voilà. Avec les petites griffes de pépère, vous voyez, c'est un beau bébé quand même. Donc, ça pourrait abîmer effectivement, éventuellement votre camping-car. Donc, moi personnellement, je mettais toujours une grande couverture pour la chienne. Elle avait sa place et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Après, beaucoup de personnes se disent, ouais, le camping-car, quand vous partez, l'été, comment ça se passe? Alors moi, l'été, je vous explique. Moi, l'été, j'ai ma chienne, elle a 15 ans, la pauvre. Et c'est vrai que quand je lui fais faire 100 mètres, elle n'en peut plus. Donc moi, je sais que j'essaie déjà de mettre mon camping-car à l'ombre pour pas qu'il ne fasse pas trop chaud. Ne pas confondre un camping-car et une voiture. Les camping-cars, c'est beaucoup plus protégé, beaucoup plus, je cherche le terme exact. Le camping-car, il fait beaucoup moins chaud dans un camping-car que dans une voiture. Donc, qu'est-ce que je mets? Je mets bien sûr une gamelle d'eau, j'ouvre tous mes lanterneaux et je mets bien sûr la ventilation. Voilà. En général, tu m'absentes une petite heure pour aller faire les courses, mais je veux dire que quand je vois des gens qui ont forcé un camping-car à coups de pied à biche parce qu'il y avait un chien qui était resté tout seul à l'intérieur, alors que le chien, il y avait la ventilation, vous pouvez très bien aussi mettre une clim et il y avait la ventilation, il avait à boire et tout. Il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Comme je vous l'ai dit, dans une voiture, il peut faire très vite 50 degrés, voire plus. Dans un camping-car, c'est tellement protégé que vous arrivez à des températures des fois 30 degrés, ce qui n'est pas dramatique. Hein. Moi, j'habite sur la Côte d'Azur, 30 degrés, l'été, c'est courant. Donc, on lui met bien sûr la ventilation, on lui met une gamelle d'eau fraîche ou deux gamelles d'eau fraîche, et on lui met bien sûr les lanternes ouvertes pour qu'effectivement, ça puisse circuler tranquillement. Ça, c'est important quand même que les chiens ils soient bien. Après, il existe aussi, il faut savoir, des tapis. C'est des tapis vraiment, vraiment particuliers. C'est des tapis en fait qui va ramener la fraîcheur. Et ça, c'est vrai que pour les chiens, c'est quand même assez sympathique.
Donc, ça s'appelle les tapis rafraîchissants. Ça vaut 25-30 euros. Et c'est vrai que c'est pour le confort de l'animal. Vous allez voir que l'animal, dès qu'il fait chaud, il va venir se poser dessus. Voilà, éventuellement, on peut même en avoir deux. Parce qu'au bout de 2 ou 2 heures, ben, le tapis ne va plus faire son effet. Donc, on ressort le tapis, on le repositionne et le chien va très apprécier. Faut savoir que les chiens adorent la fraîcheur. Hein. Moi, en général, la mienne, l'été, elle se met sur le carrelage. C'est pas pour rien. Donc, ce tapis fait un peu office de carrelage. Et comme on dit, pour nos petites, les petits animaux, ben, rien n'est trop beau. Voilà, ça, c'est ma façon de voir les choses. Voilà. Et bien sûr, quand je vais me promener, hein, ben, je prends la gamelle, bien sûr, d'eau. Hein, je prends, et pour que même si nous, on n'a pas toujours soif, ben, le chien, lui, aura soif beaucoup plus que nous. Voilà, ça, c'est important que. Voilà, c'est très important pour eux. Voilà. Donc pour les animaux, hein, donc la puce, le carnet de vaccination, les petits jouets qu'ils ont l'habitude, habituer le chien à l'attacher ou le mettre dans des caisses de transport, habituer à la maison, et ça se passera beaucoup mieux. Admettons que le chien, il vienne, vous conduisez, il vienne entre les deux jambes, ça ne va pas trop le faire. Voilà. Comme je vous ai dit aussi, on a pas mal de groupes partenaires. J'en ai parlé la dernière fois, j'en parle parce que c'est des amis. Donc dans ces groupes partenaires, ben, on a tout simplement ben, le coin des camping-caristes, Air et Camping-Car, tenu par Chantal et Jean-Michel, que j'embrasse énormément, parce que voilà, comme vous savez, Jean-Michel est souffrant actuellement, et c'est vrai que sa femme aussi. Donc on est tout cœur avec eux, et d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui ont écrit un petit mot à ce sujet, et franchement ça fait chaud au cœur, et ça veut le motiver de nous revenir en forme. Et avec son sourire et surtout sa gentillesse et tous les efforts, toutes les informations qu'il donne aux gens et les MP qu'il envoie par eux, franchement, c'est une personne adorable. Nous avons à côté donc un groupe qui est très bien aussi, c'est Je roule en camping-car ancien et j'en suis fier. C'est pareil, alors ça, c'est un groupe génial, sans prise de tête. Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un beau camping-car, mais ils adorent les camping-cars rétro et tout. Et c'est vrai que pour les jeunes camping-caristes, ils n'ont pas trop de moyens. Des fois, ils cherchent des techniques ou ils cherchent des renseignements. Ben, en allant dans ce groupe, ils sont certains d'une chose, avoir tous ces renseignements. À côté, vous avez Camping-Car Loisirs. C'est le frère à Romuald, hein, qui gère donc le camping-car ancien. Donc, lui, en fait, c'est un ancien groupe de Imer. Donc, ils sont spécialisés plutôt en Imer. Maintenant, ils font un peu de tout. Et ils ont comme modérateur, Didier, administrateur, ils ont Didier, et comme modératrice, ils ont Soise. Soise, c'est mon administratrice, hein, vous la connaissez tous, je suppose. Vous avez sûrement eu affaire avec elle. Elle est très, très présente sur le groupe, même si en ce moment, la pauvre, il lui arrive pas mal de pépins. Et voilà, donc des fois, c'est un petit peu compliqué pour elle. Mais bon, c'est une personne aussi qui est très très précieuse à mes yeux. Et franchement, pour moi, c'est que du bonheur. Voilà. Des personnes comme ça, je regarde, voilà. Des personnes avec que comme ça, franchement, c'est vraiment top. Voilà. Donc, ça, c'est. Et ensuite, en dessous, nous avons donc tenu par Soise. Tenue par Soise et tenue par Sonia, donc les Amazones en camping-car. Donc c'est un groupe, excusez-moi les hommes, un groupe féministe où il n'y a que des dames ou des demoiselles et ils aiment bien se rencontrer. Ils sont maintenant quand même plus de 500. Le groupe bouge beaucoup, mais toujours dans la bonne humeur et dans la convivialité. Voilà. Je trouve que voilà, donc c'est un groupe que j'avais mis en place au départ. Je me suis détaché parce qu'on m'a dit mais comment ça se fait qu'il y a un homme qui gère ça? Et vous avez raison, donc je me suis enlevé, j'ai laissé ben, tout simplement Soaz et Sonia gérer le groupe, et aujourd'hui ça se passe très très bien. Donc si vous êtes une dame, vous avez envie d'avoir des informations, ben, vous pouvez rejoindre les Amazones, vous verrez, il y a une très bonne ambiance. Et à côté, donc nous avons les camping-caristes du sud-ouest. Alors c'est pareil, donc c'est un groupe qui est d'un ami, qui est Patrick et Agnès, qui le gèrent merveilleusement bien. Vous aurez plein de bonnes adresses, plein de bonnes balades à faire. Donc c'est pareil, si vous voulez visiter le sud-ouest,
N'hésitez pas à rejoindre ce groupe et vous demander éventuellement des informations et vous verrez, c'est vraiment des gens extraordinaires et que j'adore. Voilà, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de se rencontrer ou de se croiser et c'est vraiment des gens vraiment adorables. Ils sont membres du groupe, bien sûr, aussi. Et un beau jour, ils ont eu envie de créer leur groupe vu qu'ils sont une région du sud-ouest, une région très riche dans tous les sens du terme. C'est pas Serge qui me dira le contraire. Et donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie de rejoindre ce groupe, c'est vraiment un grand plaisir. Voilà. Donc on va passer maintenant au road trip. Donc le road trip, c'est quoi? C'est des familles qui ont décidé un beau jour, entre parenthèses, de tout plaquer pendant un petit moment et d'aller découvrir, ça peut être la France, l'Europe, le monde. Voilà. Actuellement, nous avons trois jeunes familles qui sont parties dans ce pas de délire, parce que moi, personnellement, j'ai toujours rêvé de pouvoir le faire, mais c'est vrai que ça a été, voilà, ça a été, je regarde parce que là, j'ai un petit souci avec mon écran, voilà, hop, c'est parti, voilà. Donc, j'ai eu un petit souci, donc, voilà, et c'est vrai que et ici, donc, nous avons donc la famille Forester. Alors, une famille forestière, c'est une famille qui est composée de quatre personnes. Ils ont prévu normalement un road trip minimum de 2 ans, avec peut-être un final au Canada. Donc, c'est une famille qui publie beaucoup. D'ailleurs, depuis peu, ils ont une chaîne vidéo. Je vous redonnerai le lien sur le groupe. Et donc, c'est vraiment une famille fabuleuse, très, très, très sympathique, et qui nous permettent en fait de découvrir. Comme vous pouvez voir derrière, vous allez voir derrière des photos assez extraordinaires. Hein. Actuellement, ils sont au Portugal. Alors, le confinement au Portugal est complètement différent que la France. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre encore de pouvoir bouger dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, là, vous voyez, donc c'est pareil, c'est avec leurs 2 enfants. Donc c'est Sébastien, Laura et les enfants, c'est Enzo et Soane. Vous voyez, donc ils s'éclatent en famille et ils ont préféré, donc c'est une jeune famille qu'ils ont préféré justement de se dire, allez, on part maintenant, on veut visiter l'Europe, voir le monde, parce que normalement ils finiront au Canada. Et franchement, c'est une famille super sympa. Voilà. Nous avons une autre famille, c'est la famille Leclésio. Alors, la Clusio, alors il faut savoir, j'en ai parlé un petit moment de cette famille. C'est une famille aussi, comme toutes les familles, très sympathique, mais ils ont une particularité, c'est que le camping-car pour eux, c'est tout neuf. Donc, ils ont décidé un beau jour avec cette famille, donc c'est une grande famille, c'est un couple qui ont 6 enfants, et ils ont décidé de parcourir l'Europe, voire plus. Alors, vous allez me dire, alors c'est une aventure. Pourquoi? Parce que c'est une famille qui vient de l'île Maurice. Donc, il a fallu qu'on les aide à trouver un camping-car. Il a fallu qu'on les aide à trouver une assurance. Donc, voilà, quoi. Donc, on les aide à trouver une assurance grâce tout simplement à notre courtier en assurance, Romain Candela, que vous connaissez maintenant sûrement, si vous êtes du groupe. Et avec ça, ils ont pu tout simplement parcourir et visiter tout simplement le groupe. Et je trouve ça super sympa. Voilà. Donc, alors, ces personnes, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont fait des rencontres assez exceptionnelles. Regardez bien, vous n'allez pas en croire vos yeux. Et oui, ils ont une audience exceptionnelle avec tout simplement le pape. Et oui, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Ils sont arrivés et ben, ils ont, voilà, bien sûr, ils ont eu des échanges de leur île Maurice et par l'intermédiaire sûrement de leur évêque. Et en fait, ils ont pu rencontrer donc le pape en audience personnelle. Et franchement, c'est quand même assez exceptionnel. Voilà. Donc actuellement, ils sont. Je regarde parce que là, j'ai ma serrure. Voilà. Ils sont actuellement autour de Assise et entre Assise et Lorette. Donc ça se trouve plus près du nord de l'Italie. Hein, après, bien sûr, à faire Rome. Et ils essayent de visiter un maximum. Donc, en général, ils sont à 7 dans le camping-car. Et des fois, il y a le plus vieux, le fils, qui vient les rejoindre pour une journée ou deux, par exemple, là, pour rencontrer le Saint-Père. Voilà. Donc, c'est quand même franchement magique de voir qu'il y a des personnes qu'ils ont pu rencontrer. Donc,
Bien sûr, la famille ne connaissait pas Paris, donc ils ont profité pour visiter Paris. Ils ont profité pour visiter un peu la France. Je pense que là, ils sont partis donc en Italie. Après, suivant comment ça va se passer pour le confinement, je pense qu'ils partiront dans la Croatie, la Grèce. Et eux, c'est pareil, ils sont partis normalement une année en famille pour visiter en fait l'Europe. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment une famille super sympa, souriante. Et Yvan, donc c'est quelqu'un Yann, plutôt, c'est vraiment une famille très soudée. Et franchement, quand je vois un peu cette famille, ça nous donne vraiment chaud au cœur de voir que grâce au camping-car, ben, ils ont pu réaliser leur rêve en famille et d'aller découvrir des choses extraordinaires. Voilà. Et bien sûr, on va parler maintenant de la famille qu'on attend beaucoup. C'est la famille, la joyeuse Trip Family. Donc, c'est une famille qui sont partis. Je vais ressortir mon petit papier parce que, effectivement, tout à l'heure, j'ai eu un petit peu de tambour. Voilà. Donc, c'est une famille. Regardez, parce que, effectivement, voilà. C'est une famille qui est partie, si je sors ma fiche, qui sont partis presque une année. Donc, c'est une famille qu'ils ont quand même fait un grand nombre. Ils ont fait quand même 12 pays. Elle est composée de 5 personnes. Tout à l'heure, je vais vous montrer quelques photos d'eux. Et tout à l'heure, on sera en direct avec eux et on leur posera quelques questions concernant leur voyage extraordinaire. Il suffit de regarder les photos, quelques photos. Ça va vous donner, à mon avis, très envie. Ici, donc, c'est en Laponie. Hein, je vous rappelle que la Laponie fait partie de la Finlande. Hein, c'est une région de la Finlande. Et donc, ils ont fait la Laponie l'hiver. Alors, bien sûr, ça a été des moments un peu compliqués. Mais lorsque vous voyez ces images qui nous ont été rapportées, vous comprenez que ça valait sûrement le déplacement. Voilà. Donc, ici, vous le voyez donc sur la photo de droite avec le Père Noël. Et à gauche, carrément. Le pôle le plus, on m'a dit, on appelle ça le pôle nord, hein, c'est-à-dire la partie la plus haute qu'on peut accéder en camping-car au nord de la Finlande. Et voilà, c'est quand même des souvenirs assez exceptionnels. Je vous laisse regarder les photos. Et dans quelques instants, donc on va appeler, je vais appeler donc Johanna, Joanie, pardon. Voilà, donc je suis en train de me connecter avec elle. Voilà, on va se connecter ensemble. Voilà, donc nous voilà, donc on va dans un instant. Voilà. Voilà. Donc, Joanie, bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien. Bon, écoute, en tout cas, je te remercie. Bon, on était un petit peu compliqué ce soir, car j'ai eu des problèmes de connexion. Je devais faire avec une connexion de partage de mon téléphone et celui-ci n'a pas voulu. Voilà. Ça a été très compliqué, mais voilà quoi. Donc, j'ai quand même réussi. C'est tiré par les cheveux, mais ce n'est pas tout à fait l'organisation que j'avais prise. Mais en tout cas, je te remercie. Donc, en deux mots. Si je me, tu as décidé, vous avez décidé de vivre à l'année dans votre camping-car, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. D'accord. Et donc ça fait 1 an et demi que vous êtes parti à peu près. Ça fait combien de temps que Alors, vous êtes ça parti? fait un petit peu plus d'un an qu'on est parti. Un peu plus d'un an que vous êtes parti. D'accord. Donc en fait votre famille donc est composée, vous êtes parti à 5, c'est bien ça? C'est ça, avec nos D'accord. 3 enfants. Avec 3 enfants et disons que vous avez commencé à faire le tour d'Europe. Et entre autres, vous avez traversé presque 12 pays, ouais, on est d'accord. Et C'est ça, surtout, voilà, et surtout, vous avez été faire un voyage extraordinaire, tout simplement en Finlande. la Laponie. En C'était Laponie. un de mes rêves, un de mes buts, arriver dans la Laponie, donc voilà. D'accord, vous avez été faire un tour en Laponie. Bon, écoutez, j'ai coupé ça. Bon, c'est pas grave, ok. Ben, c'est génial. Je vais reprendre ma petite fiche qu'on s'était pris tous les deux. Voilà. Vous avez mis combien de temps pour préparer cette exposition? Alors, la préparation, c'est environ 8-10 mois à peu près de préparation. Du moment où on a décidé de vendre notre maison et de partir en voyage,
et le moment où on est réellement parti. D'accord, Donc, ça a été pas mal de mois de préparation. 8-10 mois, d'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé pour partir faire ce... Parce qu'il faut quand même avoir envie de tout plaquer et dire, allez, on part avec les enfants, on va aller voir. C'est ça. En fait, c'était là, on avait envie de casser notre quotidien, la routine, et puis on avait envie de découvrir le monde, d'offrir ça à nos enfants. Et un D'accord? jour, alors on s'est dit, on plaque tout, on vend la maison, on quitte nos boulots et on part à l'aventure comme ça. Ça s'est décidé assez rapidement, la décision. Après, la préparation était un peu plus longue. Mais c'était D'accord. vraiment, on avait envie de découvrir le monde. D'accord. Alors, vous êtes parti avec quel camping-car? Alors, on a un Mack-Louis, donc un 4 piscines. Un McLouis, 4 piscines, d'accord. C'est ça. Un Mack-Louis aux 4 piscines, c'est un 5 places, une carte grise et un sept couchages. D'accord. C'est un camping-car classique qui a pas de particularité. Voilà, c'est D'accord. un classique, un 4 piscines classique. D'accord. Pendant votre trip, vous avez fait combien de kilomètres? Alors, au total, on a fait un peu plus de 22 000 km sur à peu 22 près un an. 000 km, d'accord. Donc, C'est ça. alors bien sûr, donc vous êtes parti en Finlande. Et quelles C'est sont les ça. particularités vraiment particulières? Parce que vous avez fait ça bien sûr l'hiver. Et quelles sont vraiment les choses particulières que vous avez mis en place pour aller justement faire ce voyage? Alors en fait, donc la première chose, on voulait vraiment partir avec un chauffage au gazole. Parce qu'en fait, en Laponie, forcément, c'est du chauffage H24. Donc là, une bouteille de gaz, c'est 2 jours. Hein, et 2 jours, changer une bouteille tous les 2 jours. Donc nous, on voulait un chauffage gazole. Donc il D'accord. était d'origine, donc c'était parfait pour ce camping-car-là. D'accord. Ensuite, il y a deux choses qu'il faut savoir en Laponie, c'est qu'il y a très peu d'heures de jour. Donc il doit y avoir 1 heure de jour, donc les panneaux solaires ne rechargent pas. Ah, une Donc nous, heure. l'indispensable, c'était vraiment un groupe électrogène. D'accord. Donc ça, c'était l'indispensable, parce qu'il y a très peu de campings ouverts, pour pas dire aucun. Donc D'accord. là, c'était vraiment indispensable, un groupe électrogène. Oui. Bien sûr, là, sans gêner les autres, mais en Laponie, à cette période-là, il y a très peu de campings-car, donc on n'a jamais eu de soucis. D'accord. Qu'est-ce qu'on a mis ensuite? Un On groupe a. électrogène 4 temps, je crois. Hein. C'est bien ça. Un 4 temps, vous avez pris. Hein. C'est un C'est 4 ça, temps. un Voilà. 4 ans. Ouais. Pour C'est éviter ça. en Et fait ensuite, les il y a un problèmes de feu. froid. D'accord. Et quelles sont les températures maximum que vous avez, minimum que vous avez rencontrées là-bas? On a eu moins 30. C'est le bas qu'on a eu. C'était moins 30, c'était au Cap Nord, surtout. D'accord. Et on n'avait pas eu de problème des eaux gelées, tout ça. Non, aucun souci. Nos eaux propres déjà sont en gel. Donc on n'a D'accord. eu aucun souci de gel des eaux. D'accord. Et tout à l'heure, on a un peu discuté pour les eaux sales. Vous avez en fait vous les versiez dans un récipient pour éviter justement de geler, c'est ça? Et après, vous C'est ça, voilà. évacuez tout simplement où il fallait en fait les eaux sales, en fait, tout C'est simplement. ça. C'est ça, D'accord. tout à fait. Oui. Alors, il y a une question que beaucoup de gens posent, mais comment ça se passe avec les enfants pour l'école? Alors, l'école. Donc, en fait, c'est nous qui leur faisons l'école. Donc, D'accord. en fait, nous, on leur fait à peu près 1 heure et demie par jour, mais sans vacances scolaires. C'est-à-dire tous les jours. Tous les jours, D'accord. on fait à peu près 1 heure et demie. On suit le programme de l'éducation nationale, un programme classique. D'accord. Et Sachant que tu as des enfants quand même d'âge différent, bien sûr. c'est ça, ouais. Voilà, c'est pas J'ai que un des 9 ans et 7 ans, donc c'est voilà, toujours facile. c'était pas que des jumeaux, hein. Voilà, il faut arriver à tenir Voilà. le rythme. Hein. C'est ça, c'est pas toujours simple. Est-ce que bah, j'ai lu, hein, d'après ce que tu disais, tes enfants ont énormément mûri pendant cette année. C'est ça, oui. Ah oui, ça les a fait mûrir, grandir. Ça a été exceptionnel, vraiment pour eux, ça les a ouverts. Ma deuxième qui était assez réservée, le fait de voyager, de rencontrer plein de monde, elle est devenue beaucoup plus ouverte. Ils ont vraiment, vraiment grandi pendant cette année. D'accord. Bon, alors j'ai presque la réponse, mais j'attends que tu me dises. Quel est ton plus beau souvenir de ton Ah, voyage? mon plus beau souvenir, même si j'en ai deux, c'est quand même l'arrivée au village du Père Noël. Oui. C'était vraiment un beau souvenir et la découverte des aurores boréales. Ah C'était oui, magique. ça doit être magique quand même. Ça doit être, C'est ça, on a oui, vu les beaucoup magique. photos et tout, c'est assez fantastique. Donc Ah oui. tu disais que, par contre, au niveau des pneumatiques, je suppose que tu as des pneus neige aussi. C'est ça. Voilà, des pneus neige, plus des chaînes qu'on n'a pas mis en Laponie finlandaise.
On n'a pas eu besoin de semer. D'accord. Par contre, on les a mises notamment au Cap-Nord et en Ardèche. Voilà, en fait c'est ça. Donc tu disais en fait que les personnes qui veulent faire, hein, qui veulent profiter pour faire la Norvège, attention, là c'est beaucoup plus C'est ça. compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de montagnes et c'est vraiment compliqué au niveau Le de climat, la la route, route, c'est du compliqué. climat beaucoup plus froid en plus et Bah, plus de venteux. froid, plus de tempêtes, ouais, c'est ça. Voilà. C'est très dur la Norvège en hiver. Mais c'est vraiment très très dur. As-tu rencontré des petits problèmes techniques, mécaniques? Problème technique, lié au froid, non. On a dû changer un boîtier papillon, mais qui n'avait aucun rapport Le froid? avec le froid. Donc, on n'a pas eu de soucis techniques particuliers. D'accord. Alors, ce que je sais, c'est qu'après, donc, tu es redescendu en France et tu es parti C'est donc ça. au Maroc. Et là, C'est ça. confinement. Confinement. Donc Confinement. on est Donc, resté 6 mois au Maroc. C'est combien ça. de temps? Six 6 mois? mois. 6 mois au Maroc. Et C'est ça. effectivement, c'est pas une journée, 6 mois au Maroc, quelque part. Non, Et en plus, bon, vous avez quand même choisi un coin quand même du Maroc. Vous avez fait le Maroc du Sud, hein, le Sud-Ouest, C'est ça. le Sud-Est marocain, donc près C'est de ça. l'Atlantique. Donc, c'est quand même pas l'endroit le plus pourri du Maroc, quand même. Tant qu'à Non, non, faire, non. tant Non, mais qu'à faire. c'était une belle expérience. Malgré le confinement, c'était Ouais, bien chouette. Même si on est très chaud. Il y a eu ouais. 55 degrés dans le camping-car. Oui, alors, c'est vrai que de passer à la Laponie, à passer au Maroc, à choisir, qu'est-ce que tu préfères? L'avoir froid ou l'avoir chaud? C'est vraiment complètement différent. Alors, au niveau paysage, on a préféré la Scandinavie, donc la Laponie, parce que c'est vraiment magnifique. Ouais. Mais au niveau accueil, échange avec les locaux, le Maroc, c'était vraiment exceptionnel. C'était une aventure vraiment exceptionnelle pour nous. Enfin, voilà, Et la en plus, tu rencontre as avec été les pris un gens, peu au l'accueil. piège. En plus, tu as été pris au piège comme tout le monde avec ce C'est fameux ça. confinement et effectivement, tu es resté au passé. Donc actuellement, donc, tu m'as dit que tu es revenu en France. Hein, tu es C'est revenu ça. en France. Et tu m'as parlé d'un projet justement pour les personnes qui font les road trips ou éventuellement les camping-caristes qui vivent à l'année dans leur camping-car. Alors, tu peux m'en parler un peu? C'est ça. Alors en fait, avant de partir, on avait fait la connaissance d'une famille nomade qui vit en camping-car, qui ont fait d'ailleurs la police et les road assist. Et en fait, cette famille-là est en train de créer un écolieu. Donc c'est un lieu où plusieurs familles comme nous, qui vivent en camping-car, peuvent s'installer entre deux voyages. Donc là, on y part fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Donc on D'accord. va créer cet écolieu avec eux, on va être les premiers à le voir. Et D'accord. partir en voyage. Pour le moment, nous, on est ici pour travailler, donc on va s'installer Voilà. avec C'est quelques ce mois, que tu me on disais tout à repartira. l'heure au téléphone, qu'on a préparé un peu. Tu m'as dit, là, on travaille ensemble, on retravaille un peu, bah, un peu surtout ton C'est mari, ça. parce que toi, tu t'occupes quand même de C'est ta ça. famille. Hein, et dès que vous avez mis assez d'argent de côté, vous repartez pour 8 mois. C'est bien ça. C'est ça, voilà, selon ce qui va se passer, mais on aimerait bien partir en mars-avril pour 8 mois. C'est D'accord. ça. Alors j'ai pu voir quand même que vous êtes quand même bien installé parce que tu as mis une sorte de grand écran pour regarder la télévision chez vous. C'est ça. Vous êtes quand même relativement confortable dans votre Pour ne camping-car. pas faire. Ah, Alors, on c'est. n'avait pas mis la télé pour partir, on s'est rendu compte après un an de voyage, quand même que parfois un De temps petit en film temps, avec les enfants, un c'était petit quand peu même de, chouette. un petit peu de télé, c'est pas trop mal. D'accord. C'est ça. Ben, par contre, s'il y a des personnes qui sont désireux ben, de suivre votre parcours, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Oui, bien sûr, ils peuvent me contacter par message privé. Ou alors, on a un groupe qui est Joyeux Trip Family. Donc, c'est Joyeux, c'est pas une faute d'orthographe. Hein. C'est un jeu de mots avec mon prénom Joyeux. Et D'accord. on a sur Instagram aussi, pareil, on a D'accord, un Instagram d'accord, aussi, d'accord, du même nom. Donc, ils peuvent d'accord, me contacter sans souci. d'accord. Mais en tout cas, franchement, ce que vous avez fait, c'est génial parce que beaucoup l'ont rêvé, mais vous l'avez fait. Voilà, vous C'est l'avez ça. fait. Nous aussi, moi aussi, à un moment dans ma vie, j'ai dit, putain, j'ai envie de tout plaquer, aller à l'aventure. Et puis, en fait, on n'ose pas. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des regrets? Non. Enfin, le seul regret, c'est de ne pas être parti plus tôt. Ah, Mais voilà, à la le fin, seul c'est regret, c'est de pas. cool. Après, bon, il faut aussi pouvoir se permettre. Hein, comme on dit, C'est comme ça, vous oui, dites, bien sûr. c'est quand même un budget quand même important, 22 000 km, partir un an, faire 17 pays. Donc vous me C'est disiez ça. qu'en Finlande, c'est très cher, hein, C'est très très par cher. rapport au La Finlande et Maroc, la Norvège sont très chères. le budget a explosé en Finlande, C'est mais ça. heureusement, il a été rabaissé au Maroc. C'est ça, voilà, ça rééquilibre un petit peu les choses. Ça peut équilibrer les choses. Mais écoute, C'est ça. en tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu sur le groupe.
Euh, Avec de franchement, c'est super sympa. Et en tout cas, je te souhaite encore plein de bonnes choses. Et continue, et je te remercie aussi de publier aussi souvent que tu fais sur le groupe. Parce que Avec tu as énormément, on a beaucoup d'informations et tu nous fais rêver. Et d'ailleurs, je crois que j'étais un des premiers fans quand tu postais tes photos, que ce soit en Finlande, parce que j'adore, c'est vrai, j'adorais y aller, et aussi le Maroc, parce que j'en ai gardé de très très bons souvenirs. Et c'est vrai, quelque part, on se dit, on y va, et comme beaucoup, on va le faire, mais un peu plus tard, quand on sera peut-être à la retraite. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est un choix. Mais en tout cas, je trouve ça merveilleux, des familles comme vous, comme je l'ai répété tout à l'heure, il y a trois familles actuellement qui avons passé le pas. Et je trouve ça fantastique de réaliser ce que vous faites. Et effectivement, ce qui est important de voir, c'est que les enfants, en fait, ils évoluent d'une autre c'est façon. ça. Et en fait, ils s'ouvrent au monde et en fait, ils découvrent des choses que jamais ils auraient découvert si vous n'aviez pas fait ce road trip. C'est ça. C'est tout à fait ça. Mais écoutez, plein de bonnes choses à vous encore. Hein. Merci beaucoup. Je vous remercie franchement pour ce moment passé ensemble. Et puis en tout cas, D'accord. je répète à tout le monde que toutes ces photos, vous pouvez les voir. Je vous remettrai le lien, on mettra un petit mot après la vidéo où vous pouvez éventuellement aller voir sur Instagram. Ou éventuellement sur sa page Facebook, dans son groupe, et vous pourrez revoir toutes les photos, parce que là, j'en ai mis 4 ou 5, mais il y en a des dizaines, et franchement, elles vous donnent tous plus, elles vous donnent vraiment envie de rêver, parce que le voyage, bien sûr, c'était là, c'était le voyage en Laponie, en espérant qu'on puisse le recommencer bientôt, c'est pas gagné, mais c'est vrai Non. que vous avez quand même une expérience de plus de 12 pays. Et vous allez en faire encore quelques-uns après. Donc, C'est ça. vous avez pu voir quand même que l'Europe est quand même vaste. Bon, à part le Maroc, c'est pas loin, on n'est pas l'Europe. Mais je veux dire, vous avez fait quand même énormément de pays. Et pour vous, où sont les gens les plus accueillants? En Europe ou En Europe, alors en avec qui Europe. Vous allez me dire le Maroc. Je sais parce qu'au Maroc, ils sont très accueillants. Mais je je parle travaille? hors du Maroc. Hors du Maroc. Étonnamment, les Polonais, on a trouvé qu'ils étaient hyper accueillants. Le polonais, d'accord. Voilà, les Polonais, Polonais. d'accord, polonais, d'accord. D'accord, ah ben d'accord. Les Autrichiens, un petit peu moins accueillants, mais on ne peut pas faire une généralité parce qu'on n'a pas eu assez. On n'est Mais, pas resté assez longtemps pour assez en longtemps. généraliser, mais D'accord. c'est un peu plus compliqué avec l'Autriche Un petit peu plus pour les compliqué. Parisiens. D'accord, ok. Bon, ben, d'accord. Mais en tout cas, un grand, grand merci encore à toi. Hein, plein de bonnes choses à ta petite famille. Hein, et aussi Merci beaucoup. au dernier venu, la petite boule de poil. Hein, tout à l'heure, donc tu as vu, je Oui, parlais c'est à un un peu sujet sur les une chiens. nouvelle expérience. Donc j'ai vu que déjà, il a déjà sa petite niche, il a déjà son petit C'est coin à ça, c'est lui, ça. il est déjà, voilà, il est prêt pour. Et n'oublie pas, par contre, si tu veux partir à l'étranger, les passeports, passeport international, les cartes de vaccination, pour éviter tout simplement de rester. Et si jamais tu veux repartir au Maroc, par contre, là, impératif Ouais, bon d'aller voir. courage. Dans les 2 mois avant ton départ, ton vétérinaire qui te donne un certificat pour la rage, pour pas que ton chien, D'accord. voilà, ça c'est important parce que tu vas passer, le chien ne va pas passer, donc ce serait embêtant, Oui, d'accord? Donc il faut impérativement un certificat médical du vétérinaire qui fera faire une prise de sang au chien pour voir si effectivement tout est OK pour lui, parce que malheureusement le Maroc, ce qui se passe au Maroc, les gens sont accueillants. Mais malheureusement, il y a quand même pas mal de cas d'orage parce qu'il y a beaucoup de chiens errants. Voilà. Donc ça, les il faut faire chiens, ouais. attention. Donc il faut faire attention avec ça parce qu'avec la rage, excusez-moi, mais on en meurt encore aujourd'hui. Donc il faut être très, très Oui. prudent. En tout cas, encore un grand, grand merci à toi. Et Ben, puis, merci à vous. plein de bonnes choses. Et surtout, je compte sur toi pour continuer à publier sur le groupe. D'accord? Avec grand plaisir. Merci. Bye Merci à vous. bye. Ciao, ciao, ciao. Ben Ciao. écoutez, c'est merveilleux. Et ben voilà, vous voyez, donc si vous avez envie d'aller demain en Laponie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, voilà quoi. Donc c'est magique. Ces familles-là qui décident de tout plaquer et de dire, allez, on va partir 1 an, voire 2 ans, comme tout à l'heure. Je trouve ça, je trouve ça génial. On va repartir vite fait, donc je sais que ça gave, mais on a quand même des partenaires. Donc je vais quand même parler un peu de mes partenaires.
Donc, les partenaires du groupe, bah, on a Fidèle, Lucamper, donc c'est en GPS et tout ce qui est aussi télévision, système de radio, tout ce que vous voulez, high-tech. Et en plus, c'est des gens qui sont charmants. Pour information, on a vu une personne qui était en panne au Portugal et n'a pas hésité de prendre le téléphone et de l'appeler. Je ne pense pas que les Chinois le feraient, ça c'est clair. Nous avons France Passion qui était partenaire aussi l'année dernière. Nous avons Camping Car Plus qui nous aide lors des rassemblements. Malheureusement, on ne peut pas avoir de remise chez eux, mais bon, ils sont quand même super sympas lors de nos rassemblements et gâtent énormément nos membres. Donc ça, c'est ça qui est aussi important. Nous avons donc Clean Caravaning. Donc Clean Caravaning, avec le Clean Caravaning, c'est pareil, c'est un produit, on en entend parler souvent sur le groupe. On peut tout faire. Hein, on peut faire l'extérieur, l'intérieur, les tapis. On peut vraiment, c'est un produit super sympa. Il suffit d'aller sur YouTube, vous verrez les résultats que ça fait. Et franchement, c'est magique. C'est un produit magique, mais surtout pas en mettre de trop. Hein, c'est important de respecter. Nous avons aussi donc les assurances camping-car. Donc c'est, j'en parlais tout à l'heure, assurance. Donc c'est Romain Candela. Donc Romain, c'est un peu notre. C'est-à-dire que c'est notre courtier et même si vous n'êtes pas assuré chez lui, quand vous lui posez des questions, il va vous répondre. Voilà, il n'est pas là pour vous vendre à tout prix d'assurance, mais il est là pour vous aider et pour vous encourager. Et je trouve ça génial. Vous avez Axi, donc Axi, ben vous savez, c'est tout simplement pour bénéficier des campings à des prix réduits hors saison. C'est quand même très intéressant. En général, dès la première sortie, donc c'est des campings 4 et 5 étoiles, dès la première sortie, en général, vous avez remboursé votre carte. Voilà. Ça, c'est clair. Et bien entendu, pour terminer, je voulais quand même vous rappeler qu'il existe une seule radio aujourd'hui exclusive pour les camping-cars, c'est Radio Camping-Car. Radio Camping-Car, donc c'est un ami aussi que je salue d'ailleurs. Il est à l'heure actuelle confiné dans le sud de la France. Et franchement, c'est une radio, ben c'est la seule radio actuelle que pour les camping-cars. Et franchement, que de la bonne musique, de la country, franchement, des trucs super sympas. Voilà. Donc, j'espère que cela vous a plu. Hein. Désolé du souci qu'on a rencontré. Je ne sais pas si ça passait correctement parce que j'ai coupé tous les wifi qu'on avait dans la maison. Mais alors dans un mois, rassurez-vous, j'aurai la fibre. Donc normalement que la fibre, ça va passer beaucoup, beaucoup mieux. Et là, donc le mois prochain, on aura un live. Et j'espère de tout cœur, d'ailleurs, je vais avec mon ami, donc on fera un live avec mon ami, tout simplement, Jean-Michel. Hein, Jean-Michel, je te souhaite un super bon rétablissement. Hein, reviens-nous en forme et nous fera donc un live sur le GPL. Voilà. Et normalement, si Serge n'a pas moto, il nous ferait aussi un live sur la différence qu'il y a entre les camping-cars poids lourds, les avantages d'avoir un camping-car poids lourd et les camping-cars VL. Ça peut être intéressant pour les personnes qui se posent des questions. Est-ce que je prends un camping-car poids lourd? Est-ce que je prends un camping-car VL? Et quels sont les avantages et les inconvénients l'un à l'autre? Voilà, donc il y aura un sujet. Normalement, il y aura ces deux sujets. Et il y aura sûrement d'autres, peut-être un autre sujet derrière. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que pour vous, ça a été clair. Et je vous souhaite franchement plein de bonnes choses. Et soyez prudents avec malheureusement ce Covid, qui malheureusement ben, qui n'est pas anodin. Donc surtout les personnes à risque, comme mon ami Jean-Michel et toutes les personnes à risque, protégez-vous. Hein, parce que en général, quand vous chopez le Covid, c'est par les petits-enfants, c'est par les enfants, les amis proches. Donc, vous êtes assujettis donc effectivement à rentrer dans la liste des personnes à risque. Mettez un masque quand vous recevez vos petits-enfants. Mettez un masque quand vous sortez. Protégez-vous. Et comme ça, dès que ça sera possible, on pourra ressortir les camping-cars. Voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine fois. Et quand vous avez des questions, si vous avez des questions à me poser, sachez qu'on y répondra par la suite. Et excusez-moi encore du retard qu'on a pris pour le live, mais franchement, c'était encore un petit souci technique. Alors comme vous avez pu voir, on a changé un peu d'interface. Hein, j'ai carrément, on a mis des choses en place. D'ailleurs, je remercie encore Guillaume,
Guillaume Carton qui m'a beaucoup aidé à configurer. Mais la prochaine fois, on va essayer de voir encore pour que ce soit encore plus intéressant. Voilà. Et surtout qu'on ait une bonne connexion Internet, parce que là, effectivement, ça m'a un petit peu gavé. Voilà. Mes amis, je vous embrasse. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous. Et puis, rendez-vous le mois prochain avec Jean-Michel, avec Serge. Et puis, peut-être des surprises aussi. Allez savoir. Allez, bonne soirée à vous et à bientôt.